Eh, n'hésitez pas à faire le plein, surtout. On dirait que quelqu'un a ouvert le feu. Tiens bon, l'ingénieur, j'ai besoin de toi. Vous avez un nom ? Frank West, photojournaliste. Ah, j'aurais dû deviner. Bon, maniez-vous. Les gars ! Bon sang, Frank ! Ces gars ont besoin de soins ! Vous pouvez tenir Obscurus à distance ? Pas de problème. Prenez-vous pour Florence Nightingale, je serai Rambo. Et quand ça sera fini, on pourra échanger. Vous préférez pas que je vous sois juste redevable ? D'autres ennemis, à 12 heures, enfin je crois. Ne faites pas de prisonniers. Merci. Ouais. Faut absolument bander ça. Très bien. Vous savez vous débrouiller. Ouais, j'ai déjà couvert quelques guerres. Ah bon? Lesquelles? Ben, en fait, Tom m'a dit que vous aviez accès au barrage. Ah, Tom, ouais. Ouais. Les clés de la ville. Sur le côté du barrage, il y a une porte de service. Ça devrait marcher. Vous aviez les clés de la ville ? Avant que tout parte en couille, j'étais ingénieur en chef de la ville. Je connais ce patelin presque comme ma poche. Oh. Et vous allez me les donner comme ça ? Ouais, j'ai parlé à Vic. Elle dit que vous avez vu la première épidémie. Ouais, je l'ai vue de près. Elle vous a dit autre chose ? Ouais, elle en avait à dire sur vous. Je vois. Changeons de sujet. Oh ouais, attendez.
Mes gars sont blessés, il faut les ramener auprès de Tom. Ah, désolé de rien pouvoir faire. J'ai des choses à régler. Oh. C'est vraiment un enfoiré. J'ai été pris dans une histoire. Tom Picton, vous connaissez ? Un éleveur de vaches du coin, il mène la résistance. Quelqu'un de son groupe, Hammond, va m'aider à entrer dans le barrage où Obscurus a tendu un piège aux monstres. Intéressant. Je vais surveiller leur canot radio. On voit ce qui se passe. Ça m'aiderait grandement, Brad, merci. Ça, c'est du pilotage ! Dans mes intentions. Les passages qui étant, tu connais ? Occupé par mon rôle de dissident.
Allez, voyons quelle preuve il cache là-dedans. Quelqu'un ? Qui est là ? Je vous vois pas là, il y a une lampe dans le coin. Allumez ! Est-ce que la discussion est terminée ? Oh. 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 Oh, Franck ! Hey, Darcy, comment ça va ? Tu serais pas dans le pétrin, là ? Vous êtes venu me sauver ? Vous êtes vraiment le sauveur de Willamette ? Vous avez inventé ça avec Paula, ou il y a un culte que je dois diriger quelque part ? Non. Les gars d'Obscurus paniquent à cause du monstre. Ils doivent savoir un truc sur lui. Un truc que nous, on ignore. Ouais. Tu vois, c'est un sous-traitant de l'armée avec des fonds importants. Alors que toi, t'écris pour le blog de ta copine. Et il doit y avoir quelque chose d'utile ici. C'est une salle de briefing, je crois. Détachez-moi ! Non, contente-toi de reprendre des forces. Je m'occupe de ça. Ça dit qu'il le chasse depuis... Ça date d'avant le début de l'épidémie. Oh bordel! Je parie qu'ils l'ont créé dans un laboratoire secret! Une demande d'envoi d'exosquelettes supplémentaires à Willamette. Pour le combat à l'arme lourde? Ce monstre est trop rapide, il est trop fort pour les armes normales. Intéressant. Il me faut un meilleur angle. Allez, applique-toi.
Celle-ci, je la mets de côté. Bingo! Faut que je m'applique. Calder, c'est quoi, un acronyme? Un projet? Un nom? Je sais pas trop, mais ça les terrifie. C'est la chose qui a tué leurs hommes. Et elle a pas fini. Et ils se déplacent dans les égouts, alors ils l'ont attiré ici? Pour le capturer. Je peux vous montrer où? Détachez-moi, vite! On ira ensemble! Merde, c'était quoi, ça? Le monstre? Franck! Allez, faites-moi sortir de là! Reste tranquille, Darcy. Tu seras en sécurité, ici. J'espère. Quoi? Mais non, hé, vous pouvez pas me laisser là! Oh! Arrêtez, quoi! J'ai encore jamais interviewé de monstre. Ce sera une sacrée exclusivité. Une minute. Génial. Voilà enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Ok. Étudions ça de plus près. Bordel, qu'est-ce que c'était?
Qu'est-ce qu'il y a dans ces comptes? Allez.
encore personne à tuer, je te signale. J'ai appris que les Obscuristes pourchassaient quelque chose. Et quoi que ce soit au bout du compte, ils sont devenus les proies. En parlant de trucs bizarres, Vic manigance quelque chose. Je l'ai vu négocier avec des survivants en échange une exclue avec le commandant des Obscuristes. Elle est complètement starbée. Mais pas autant que ce désaxer de Tom Picton. Il gagne haut la main. Un producteur de lait reconverti en tyran. Ouais, on est super potes. Amon, son ingénieur, m'a donné une clé pour le barrage. C'est là que les Obscuristes sont attirés, ce truc. Elle a l'air sympa. On est super potes. J'ai rattrapé les Obscuristes juste à temps pour les voir embarquer ce Calder. Quel que soit ce machin. Je me lance donc à leur poursuite pour voir l'homme ou la chose qu'ils appellent Calder et savoir ce qui motive Obscuristes à mettre la main dessus. Obscuris a capturé le monstre. Ils vont le déplacer en camion. Je vais les suivre. Je vous branche sur leur canal radio. Ça devrait vous faciliter la tâche. Il y a autre chose. Le monstre pourrait bien s'appeler Calder. Un nom d'homme plutôt que celui d'un monstre. Je vais me renseigner. Quelqu'un attaque le convoi. Vous savez qui ? Non. Peut-être les hommes de Tom. Très courageux pour une bande de fermiers.